Je m'appelle Alexandre Lemieux, je suis directeur général des solutions de gestion de risque à la Banque nationale depuis presque 20 ans. Je m'appelle Eugénie, je suis dans l'équipe de financement des sociétés en tant qu'analyste. Ça fait un an que je me suis joint à l'équipe à temps plein. Je m'appelle Sarine Chitilian, directrice en gestion d'affaires opérationnelles, résilience et gestion de risque au marché financier de la Banque nationale. Ce que j'adore, c'est sa culture et l'agilité dans laquelle on peut entreprendre nos initiatives. Donc vraiment, tes ambitions sont tes limites. Ce qui démarque vraiment la Banque nationale, c'est la culture. Je travaille dans une équipe qui est proactive, dynamique, puis je travaille en collaboration avec d'autres associés et analystes. Puis on sent qu'on est toujours écoutés, nos points de vue sont entendus. J'aime principalement la collaboration qu'il y a dans l'équipe. On va chercher vraiment les gens de haut talent. On utilise beaucoup de technologies, puis on essaie d'amener vraiment le sentiment d'entrepreneurship, puis vraiment d'énergie, de passion, un peu comme nos clients en fait. Je continue à me développer en tant qu'analyste, mais aussi pour accomplir de plus en plus de tâches, puis c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, autant venant de la banque, de sa formation continue, mais aussi de mes collègues qui prennent de leur temps pour nous former. On a la chance à la Banque nationale d'avoir plusieurs programmes pour vraiment développer les gens à l'interne. Un programme pour lequel je suis en particulier le plus fier, c'est le programme de rotation. Nous-mêmes, dans notre équipe, on a plusieurs personnes qui sont maintenant devenues des membres seniors de l'équipe, qui sont là depuis longtemps, qui sont issus de ce programme-là, puis qui ont réussi à avoir vraiment d'utiliser ces programmes-là comme des tremplins dans leur carrière. Le développement des individus est également au cœur de la culture de la Banque nationale. Tu as des ressources pour te trouver des mentors, des coachs, des programmes de développement, si c'est ce que tu recherche. Pousse tes limites, pousse tes ambitions.